l'ombre des frênes, posées entre ciel et Loire, ces tables de toile cirée brillent de mille feux tous les soirs de l'été. La guinguette chez Jojo, une escale au charme envoûtant, où il fait bon se retrouver. C'est le meilleur cadre au vu du paysage qu'il y a derrière. En un quart d'heure, on coupe très rapidement du centre-ville pour avoir des paysages comme ça. On fait la part des choses facilement, on profite de toutes les bonnes choses de la vie. Ça n'a pas de prix, quoi. On a l'impression d'être en vacances à un quart d'heure de chez nous, quoi. Ça. Oui, c'est les retrouvailles après la crise. Après un an, il fait bon. Un an de Covid, de confinement, oui, c'est important de se revoir, oui. Et pouvoir manger à l'extérieur, c'est important. Et pour monsieur, ce sera. Moi, je prends un menu à 25. Dans le village de Saint-Saturnin-sur-Loire, l'adresse est incontournable depuis plus de 60 ans. Le premier propriétaire a l'idée de sortir quelques tables l'été sur son terrain, inondé une partie de l'année. Les premiers clients se souviennent d'un accueil simple, authentique. Je crois qu'au début, il n'y avait pas de WC. C'était des tables, mais pas. Il y avait toujours des bancs, mais un peu boiteux. Bah, il n'y avait pas d'eau courante, apparemment. Enfin, c'est mon ami qui était revenu en disant « Tu sais, je crois qu'ils prennent la vaisselle, qu'ils la trempent dans un... » C'était un fût, puis qu'ils la sortent, ils doivent l'essuyer. La guinguette chez Jojo, du nom de la deuxième propriétaire, Jocelyne. Elle cède son affaire en 1999 à Olivier. Le patron actuel se pensait de passage. Il est tombé amoureux du lieu. Moi, je suis venu ici pour 5-6 ans... redresser l'ensemble de l'affaire parce qu'elle était à l'abandon. Et puis, je crois qu'elle m'a accaparé, quoi. C'est devenu presque une addiction même. Parce qu'on a un confort de vie, on est dans un lieu magique. Puis on a une reconnaissance du travail qui est fait aussi, puisque les gens reviennent, nous saluent. Des fois, on fait leur mariage, on fait les communions des enfants. Je revois la ville en fête et en délire. Et depuis 6 ans, Annie, l'accordéoniste, pousse la chansonnette de table en table au gré des demandes. Qui éclate et rejaillisse autour de moi. Je suis dans mon élément à savoir que c'est le client qui est roi pour moi. Et donc je fais ce qui leur plaît. En même temps, je me fais plaisir. Si ça leur fait plaisir, c'est que du bonheur. Et on dit toujours que le grand bonheur, c'est plein de petits bonheurs qui se mettent bout à bout. Et bien voilà. Toutes les petites chansons qu'on peut faire tous ensemble comme ça, mais c'est que du bonheur. À la nuit tombée, l'heure est venue de se laisser bercer par l'air léger de l'été.